إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، طيب، دونك كتاب التوحيد toujours, walhamdulillah, le troisième chapitre. Nous sommes toujours dans le troisième chapitre, dans l'explication de la réalisation de l'unicité du tawhid, le chapitre de celui qui entrera, de celui qui concrétisera, réalisera le tawhid, entrera au paradis sans châtiment. Babu man haqqaqa at-tawhid dakhala al-janna bighayri hisab. Babu thalith. Donc on avait expliqué dans le cours précédent le verset: et ceux qui n'associent pas à leur Seigneur. Et ce, surat 23, verset 59. Et ceux qui n'associent pas, hein, qui ne font pas de polythéisme envers leur Seigneur. Et par rapport à ce verset, le Cheikh nous avait expliqué. Le Cheikh nous avait expliqué qu'il y avait, dans ce verset et les versets qui le précédaient, des caractéristiques spécifiques pour les croyants, les gens du Tawhid, surtout d'Ibrahim alayhi salam. Donc on avait terminé la quatrième caractéristique, et on s'était arrêté là. Donc nous continuons, Inch'Allah. On s'est arrêté à la deuxième. Taïb, d'accord. On s'était arrêté à la deuxième. On avait cité la deuxième. Non? D'accord. Donc on en est à la troisième. Voyez. Donc, la troisième caractéristique: وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ. Et ceux qui n'associent pas à leur Seigneur. Donc le Cheikh nous dit, Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, هذا هو تحقيق التوحيد.
Donc c'est cela, la concrétisation du tawhid, de l'unicité, c'est-à-dire la yushrikuna abadan. Même si on l'avait fait, on répète, c'est pas grave. Hein. La yushrikuna abadan. Les ulama, ils disent la science, l'acquisition de la science se fait par une des causes, hein, pas la seule, hein, mais une des causes par la répétition. L'ilm bit-takrir. La yushrikuna abadan. C'est-à-dire que c'est cela, la réalisation de l'unicité, c'est de ne jamais faire de polythéisme. Que ce soit le cheikh nous dit shirkan asghar ou la shirkan akbar. Alors, le shirk asghar, c'est le polythéisme mineur. C'est la petite association. Et le shirk al-akbar, c'est le grand polythéisme, c'est-à-dire le polythéisme majeur, la grande association. Yarni, la yaqa'a minhum shirk abadan. C'est-à-dire que cette catégorie de gens, les muwahhidin, les unificateurs, si on peut le traduire comme ça, hein, les unificateurs, ceux qui unifient Allah seul sans associé, ne tombe jamais dans le polythéisme. La yaqa'a minhum shirkan abadan. Ha'oula'i alladhina haqqaqu at-tawhid. Donc ceux-là sont ceux qui ont réalisé, concrétisé, réalisé l'unicité. Le tawhid. Wa salamu min ash-shirk al-akbar wal-asghar. Et ils ont été prémunis, se sont prémunis, hein, du polythéisme majeur et mineur, caché ou apparent. Wa salamu min ash-shirk al-akbari wal-asghari wal-khafi wal-jali. Et ils ont été prémunis, ils sont prémunis, hein, au pluriel, du polythéisme majeur, du polythéisme mineur, caché et apparent. On sait bien que l'association, elle peut être apparente comme elle peut être cachée. Ça viendra en détail, inshallah, en son temps. Wa kull anwa' ash-shirk wal bid'a wal mukhalafat. Et bien entendu, ils sont aussi prémunis de tous les genres de polythéisme, tous les genres d'innovation et de déviance. Et ils sont aussi prémunis, hein, protégés, prémunis de tous les genres de polythéisme, d'innovation et de déviance. Donc ça, c'est la troisième caractéristique, hein. Pas de polythéisme, pas d'association, pas d'innovation. Et pas de déviance. Les gens du tawhid ne font pas du polythéisme. Sifat al-rabi'a. Donc. La quatrième caractéristique. Bien entendu, ces caractéristiques, elles sont, hein, dans Sourate Ali Imran. Plutôt, non, je me trompe, Sourate 23. Al-Mu'minun. Al-Mu'minun, Afwan. Numéro ici. Sourate al-Mu'minun, versets 57, 58 et 59. On a vu ça dans le cours précédent. Ceux qui, de la crainte de leur Seigneur, sont pénétrés, ceux qui croient au verset de leur Seigneur,
qui n'associent rien à leur Seigneur, c'est le 59, c'est ce qu'on vient de voir. Et maintenant, le verset 60, qui donne ce qu'il donne. Et qui donne ce qu'il donne, tandis que leurs cœurs sont pleins de crainte. Le verset 60 de Sourate Al-Mu'minun. Taïb. Et ça, le verset 60, c'est la quatrième caractéristique des gens du Tawhid. Alors, Shir al-Fawzan nous dit, ce qui donne ce qu'il donne, c'est-à-dire en obéissance, minat ta'at, c'est-à-dire en obéissance. Ensuite, la suite du verset wa quluubuhum wajilat, c'est-à-dire wa quluubuhum wajilat, et leur cœur, le cheikh nous dit wajilat, c'est-à-dire ont peur. Annahum ila rabbihim raji'un. Plein de crainte à la pensée qu'ils doivent retourner à leur Seigneur, qu'ils doivent retourner à leur Seigneur. Donc ils font des œuvres, ils œuvrent pour Allah subhanahu wa ta'ala. Bien entendu, sans ostentation, hein. De grandes œuvres, tout en ayant peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, plutôt tout en ayant peur qu'Allah subhanahu wa ta'ala, renvoie, rejette, yaraddaha alayhim, rejette leurs œuvres sur eux, leur rejette leurs œuvres. Donc, Shir al-Fawzan nous dit aussi, par rapport à cette parole, eux, ces gens-là, ils ne s'étonnent pas de leurs œuvres. C'est-à-dire pas d'ostentation, ils ne s'étonnent pas de leurs œuvres. Et au contraire, ils ont peur. Allah subhanahu wa ta'ala, il va expliquer, il va donner plus de détails à Shir al-Fawzan. Ils ont peur qu'Allah subhanahu wa ta'ala, rejette leurs œuvres. فهم يخافون أن ترد عليهم أعمالهم. Donc ils ont peur hein, que leurs œuvres soient rejetées, لأن الإنسان ليس معصوما. Pourquoi? Parce que la personne, hein, elle n'est pas à l'abri, quoi, protégée hein, de l'erreur. فهم جمعوا بين الطاعة. Donc eux, cette caractéristique, hein, la quatrième, c'est qu'ils ont joint, ils ont réuni entre l'obéissance et la peur. Alors en réalité, si c'est une des caractéristiques des gens du Tawhid, on doit se remettre en question. Et voir si on est comme ça. On doit adopter toutes les caractéristiques qu'on a citées précédemment et qu'on va citer là. Et bien, il faut essayer de les adopter, si ce n'est pas déjà le cas. Parce que c'est les caractéristiques des gens de la Sunna, des gens du Tawhid, des croyants. Donc, eux, ici, ils ont réuni entre l'obéissance et la peur. Tandis que le shirk nous dit, tandis que les gens du laxisme, ils ont réuni entre la paresse et la sécurité du stratagème d'Allah. Tandis que les laxistes, les gens du laxisme, eux, ils ont réuni entre
La paresse et la sécurité. La sécurité, c'est, ben, le cheikh nous dit, wal amn min makrillah, c'est-à-dire la sécurité du stratagème d'Allah. C'est se sentir en sécurité, hein, du stratagème d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, on a employé le terme laxiste, hein. Il y a d'autres termes qui sont, bien entendu, similaires. Il y a d'autres termes qui sont similaires. Par exemple, on peut employer le terme négligent, hein. Tandis que les gens de la négligence, hein, ont réuni entre la paresse et la sécurité du stratagème d'Allah subhanahu wa ta'ala. Walidhalika yaqul lan yadkhul ahadukum al-janna bi'amali. Et c'est pour ça, Cheikh Al-Fawzan nous dit, c'est pour cela que le messager d'Allah alayhi salatu wa salam a dit: personne d'entre vous, hein, n'entrera au paradis par ses œuvres. Donc, ils ont dit, Qalu, bien entendu, qui était avec le messager d'Allah, ce sont ses compagnons. Donc, les compagnons ensuite ont dit, et pas non plus toi, ô messager d'Allah, voilà anta ya Rasul Allah, et pas non plus toi, ô messager d'Allah. En interrogation, le messager d'Allah répondit: Qala sallallahu alayhi wa sallam, et wala ana, et pas moi non plus. Et pas moi, moi non plus, je ne rentrerai pas au paradis par mes œuvres. Et ensuite, il dit: sans que ce soit par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha huwa maqam tahqiq tawhid. Donc c'est ça la réalisation du tawhid, c'est ça. Fal janna la tudrak bil a'mal. Le paradis ne s'atteint pas par les œuvres. Voyez, le paradis, on ne l'atteint pas par nos œuvres. Mais les œuvres sont une cause pour entrer au paradis. Les œuvres sont une cause. Alors, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala Al-Fawzan nous dit dans le Coran: Udkhulul jannata bima kuntum ta'lamun. Entrez au paradis de ce que vous, hein, de ce que vous avez œuvré. Entrez au paradis de ce que vous avez œuvré, hein, par rapport à vos œuvres. Les ulama, donc ils ramènent le dalil ici, hein, ça pourrait prêter à, hein, mais les versets, hein, comme on le sait, il y a les versets qui sont qui sont qui n'ont pas besoin d'explication. Du premier coup, on comprend, il n'y a pas besoin de tafsir. Il y a d'autres versets qui prêtent à ambiguïté. Et ces versets-là ont besoin d'une explication. Donc, entrez au paradis par rapport à vos œuvres, de ce que vous œuvrez. Vous avez œuvré. Les savants, قال العلماء, الباء باء السببية. Le ba, qui est utilisé en arabe ici, bima, kuntum ta'lamun, le ba, ils disent que ce ba, c'est le ba qui nous indique la cause. La cause.
Et non, le sens que cette chose en elle-même fait entrer, mais plutôt que c'est une cause. فَالْعَمَلُ الصَّالِحُ سَبَبُ لِدُخُولِ الْجَنَّةِ. Donc, Cheikh Al-Fawzan nous dit, les œuvres pieuses, vertueuses, sont la cause de l'entrée au paradis. وَاللَّهُ لَا يَضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, ne néglige rien, ne prive. Ne prive, Allah subhanahu wa ta'ala ne prive pas la personne de quelques œuvres vertueuses. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait entrer son serviteur vertueux au paradis. Et c'est un mérite venant d'Allah subhanahu wa ta'ala et une excellence venant de lui subhanahu wa ta'ala. Taïb, le cheikh nous apporte le dalil. Sourate An-Nahl. Les abeilles. Sourate An-Nahl. Les abeilles. Le verset 18. Sourate An-Nahl, le verset 18. Qui nous dit? وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Et si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne serez pas les dénombrés. Vous ne serez les dénombrés, vous ne serez pas les dénombrés. Sourate An-Nahl, les abeilles, sourate 16, verset 18. En gros, ça c'est le dalil que on entre. C'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, un des bienfaits qu'on ne peut dénombrer d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on entre au paradis, c'est par sa miséricorde. Et non par nos œuvres. Idha kunta la tastati addaha. Donc si tu ne peux pas compter, dénombrer les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment peux-tu le remercier? Comment peux-tu le remercier? Kayfa tastati' ash-shukr? Point d'interrogation de Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah. Wa lihadha yaqul sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait une invocation, lorsqu'il faisait le qunut, hein, le dua du qunut. La dua du qunut, c'est une invocation spécifique lorsqu'il y a des calamités, lorsqu'il y a une cause, hein, en gros, c'est des calamités. Ça s'appelle l'invocation du qunut, et ça se fait dans la prière. Donc, il avait une invocation spécifique. A'udhu bi ridaka min sakhatika. Wa bi 'afwika min 'uqubatika wa bika minka. La ahsi thana'an 'alayka. أنت كما أثنيت على نفسك هذا سيد الأنبياء. Donc ça c'est une invocation que faisait le messager d'Allah alayhi salatu wa salam, le maître hein, des prophètes. C'est-à-dire celui qui est le meilleur des prophètes, nous dit Al-Fawzan, wa imam al-mursalin, et l'imam hein, des messagers alayhi
Salatu wa salam wa afdal al khalq. Et avec ce statut, hein, du fait qu'il est la créature la plus méritante, hein, afdal al khalq, la meilleure créature, il fait cette invocation, c'est-à-dire les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, qu'en est-il d'autre que le messager sallallahu alayhi wa sallam? Donc, en gros, hein, dans cette invocation, le messager d'Allah demande la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala contre son la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, le pardon pour le du contre le châtiment taïb. Donc voilà. Et comme quoi le messager d'Allah sallam il est limité. Alors qu'en est-il? Il était limité. Alors qu'en est-il de nous, étant donné que le messager d'Allah était celui qui est le plus élevé en mérite en ce qui concerne les prophètes, les messagers, la meilleure des créatures, Tayyib. Et comme quoi, qu'en est-il alors d'autre que le messager, hein, celui qui est de tout le monde, quoi, autre que le messager? عليه الصلاة والسلام فهؤلاء يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلت أنهم إلى ربهم راجعون. Alors, on continue, on est toujours dans le même verset, hein. Et ce qui donne ce qu'il donne. Alors, ceux-là qui donnent ce qu'ils donnent, alors que leur cœur frémisse, hein, c'est-à-dire qu'ils frémissent de peur, hein, envers leur Seigneur, c'est envers leur Seigneur qu'ils reviennent. Pourquoi? Cheikh Al-Fawzan nous dit les Anna A'mal, parce que leurs œuvres sont beaucoup moindres par rapport à ce qu'il leur est obligatoire. ثم أيضا لا يضمن pardon أنها تكون متقبلة. Également il ne s'attribue pas, hein, le fait que leurs œuvres sont acceptées, sont pas en sécurité de se dire, c'est bon, nous, nos œuvres, elles sont acceptées. Le sens, c'est ça. Elles peuvent être rejetées par une cause parmi les causes. Leurs œuvres peuvent être rejetées par une cause parmi les causes. Donc, je répète, ils ne se garantissent pas que leurs œuvres sont. Ils ne se garantissent pas que leurs œuvres sont acceptées. Qattakuna mardouda bi sabab min al-asbab. Wa li hadha yaqulu Allah ta'ala. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Innama yataqabbalu Allah min al-muttaqin. Et certes, Allah n'accepte que des pieux. Donc celui qui se garantit à lui-même qu'il est pieux, plutôt là la phrase, Afwan, désolé, elle est interrogative.
Donc, et qui se garantit à lui-même qu'il est pieux? Après le verset, Cheikh Al-Fawzan nous dit, et qui se garantit à lui-même qu'il est pieux? Point d'interrogation. C'est-à-dire, qui peut se prétendre à lui-même qu'il est pieux? Donc, c'est une phrase interrogative, mais dans le sens affirmatif. Hein. Et qui peut se garantir à lui-même qu'il est pieux? Cheikh Al-Fawzan nous dit, Lakin al-insan ya'mal wa la ya'is wa la yaqnu. Mais, Cheikh Al-Fawzan nous dit, la personne doit œuvrer et ne pas désespérer. La personne doit quand même œuvrer, ne pas désespérer. Wa yuhsana dhann billahi jalla wa ala. Et elle doit penser du bien de son Seigneur. Et la personne doit penser du bien de son Seigneur. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم لما سمعت هذه الآية. Donc ensuite, Cheikh Al-Fawzan nous dit, la mère des croyants, عائشة رضي الله عنها, dit au message au prophète, عليه الصلاة والسلام, lorsqu'elle entendit ce verset, والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلت أنهم إلى ربهم راجعون. سورة c'est toujours le même verset hein, de la sourate 23 Al-Mu'minun et le verset 60. C'est toujours le même verset qu'on explique depuis. On n'est pas sorti encore. Qui donne ce qu'ils donnent, tandis que leurs cœurs sont pleins de crainte à la pensée qu'ils doivent retourner à leur Seigneur. Voyez? Alors, Aïcha, radiallahu anha, elle questionna le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, à propos, lorsqu'elle entendit ce verset, elle dit, Ya Rasulallah, au messager d'Allah. Sont-ils, c'est-à-dire les gens qui sont mentionnés ici dans ce verset, sont-ils ceux qui forniquent, qui volent, qui boivent de l'alcool et qui ont peur d'être châtiés pour leurs péchés? Est-ce que ce sont ceux qui forniquent, qui volent, qui boivent de l'alcool et qui ont peur d'être châtiés pour leurs péchés? Le messager d'Allah, c'est une question qu'elle pose au messager d'Allah à propos de ce verset. Le messager d'Allah de lui répondre, non, fille du véridique. Abu Bakr Siddiq, bien entendu. ولكنهم يصلون ويصومون ويجاهدون ويخافون أن ترد عليهم أعمالهم. طيب. Le messager d'Allah répondit non, fille du véridique, mais il prie, il jeûne, il combat. Et ils ont peur que leurs œuvres soient rejetées. Leur soient rejetées. Alors, si ces gens-là, c'est-à-dire les gens du Tawhid, ils ont peur que leurs œuvres soient rejetées, alors, je ne vous fais pas dire les autres. Tayyib.
Donc, ça c'était en ce qui concerne le verset Walladhina hum bi rabbihim la yushrikun, sourate 23, verset 59. On a commencé dans le cours précédent avec ce verset. On a commencé avec ce verset, et ensuite, de la sourate al-Mu'minun, et ensuite on a pris les versets qui suivaient. Donc voilà, mais le verset de base, c'est ce verset. C'est pour ça que j'ai dit en ce qui concerne le verset. Donc en ce qui concerne, et en plus, c'est ce verset-là, ou le verset de base qui est mentionné, que Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab nous mentionne dans Kitab al-Tawhid. Donc on a terminé l'explication de ce verset. Et ensuite, il y a un hadith qu'on va expliquer, inshallah, dans le prochain cours. Wa an Hussein ibn Abdirrahman, parce que ce hadith, il est un peu long et il n'est pas long en lui-même, mais il demande une explication qui est assez, qui prendra peut-être un ou deux cours. On verra, si ce n'est, oui, si ce n'est plus même. Hein. Voilà. Mais c'est un verset très, 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 très moufide et très important. Il y a beaucoup de fawaïd dans ce verset. Donc, nous sommes au troisième chapitre de Kitab al-Tawhid. Alors, les gens de la Sunna, ce sont les gens qui apprennent et qui mettent en pratique. Les ulama disent que l'ilm bila amel, la connaissance sans œuvre, donc ça c'est moi hein, qui apporte des fawaïd. La connaissance sans les œuvres, c'est batil. C'est caduque, c'est nul, et c'est pas accepté. Et les ulama, ils nous donnent la faïda, une parole profitable, lorsqu'ils nous disent, sur une question en fait, lorsqu'ils nous posent la question, les ulama, lorsqu'on vous pose la question, pourquoi tu apprends? C'est quoi le but du talab al-ilm? Alors, beaucoup de gens ils font talab al-ilm et ils se disent ouais c'est pour apprendre, c'est pour apprendre, connaître. Mais le ulama il vous donne la réponse et vous disent non, non, non. Le talab al-ilm, l'apprentissage de la science, c'est pour pouvoir mettre en pratique. Ce qu'on apprend en réalité, c'est pour le mettre en pratique. Parce que sinon, ça vaut rien. Et on sait bien que cela est confirmé dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Fa'alam annahu la ilaha illallah wa astaghfiri li dhanbik. Les ulama, ils disent Allah ta'ala, il a fait précéder la science, la connaissance, on est bien d'accord, avant la parole et l'action. Mais après dans le verset wa astaghfiri li dhanbik, les ulama, ils disent ça, c'est les œuvres. Et dans beaucoup de versets du Coran, Walladina amanu wa amilu, ceux qui ont cru et qui ont œuvré. Donc c'est bien d'apprendre le tawhid, mais nous on apprend là, faut tout de suite le mettre en pratique. On ne fait pas que apprendre, 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 apprendre. Hein. Il faut mettre en pratique ce tawhid. Tayyib. Donc, Inch'Allah, on continuera dans le prochain cours. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, wa astaghfiruka wa atubu ilayka.